Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Une nuit bruyante. La famille de Peppa va passer la nuit chez la cousine Chloé. Bonjour à tous. Bonjour. Vous devez être fatigués après un si long voyage. Oui, et nous n'allons pas nous coucher tard ce soir. Nous allons commencer par coucher bébé Alexandre. Voici la chambre de bébé Alexandre. Alexandre adore le bruit, ça l'aide à s'endormir. Tout le monde aime le bruit dans cette maison. Nous sommes une famille plutôt bruyante. Peppa, George, vous dormirez dans ma chambre cette nuit. Oh, super. Peppa et George sont tout contents de dormir dans la chambre de leur cousine Chloé. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tout le monde est couché. Il dort à point fermé. Ouais. Bébé Alexandre est réveillé. Ouais. Peppa et George aussi. C'est quoi ce bruit, Chloé? C'est juste l'aspirateur. Pourquoi passez-vous l'aspirateur en pleine nuit? J'espère que ça ne vous dérange pas. Comment? Oh non, pas du tout. Nous avons découvert que le bruit était le meilleur moyen de rendormir bébé Alexandre. Il adore le bruit. Il faut dire que nous sommes une famille bruyante. Tout le monde est retourné se coucher et dort à point fermé. Ouais. Bébé Alexandre est réveillé. Pour qu'Alexandre se rendorme, plus nous faisons de bruit, mieux c'est. Existe-t-il une autre manière de le rendormir qui soit moins bruyante? Nous avons découvert que le bruit restait la meilleure manière. Quand Georges était bébé, nous avions l'habitude de le mettre dans sa poussette et de le promener autour de la maison. Et il ne tardait jamais à se rendormir. Comme c'est bizarre. Sans avoir besoin de faire de bruit? Absolument. Combien de fois je lui faisais faire le tour de la maison? 3, n'est-ce pas? Non, plutôt 50. Papa Pig fait le tour de la maison avec bébé Alexandre dans le landau. 50 fois. Et voilà. Bébé Alexandre a fini par s'endormir. Pouvez-vous m'ouvrir la porte? Je vais d'abord désactiver l'alarme. Et maintenant, je la réactive. Peppa, que fais-tu ici? Je n'arrive pas à dormir, Papa Pig. Il y a vraiment trop de bruit cette nuit. Allez, ma petite Peppa. Remonte te coucher, je vais te border. Dis-moi, où est la chambre dans laquelle tu dors? Arrête, Papa! C'est la chambre de bébé Alexandre! Ah. Bébé Alexandre est réveillé par la lumière. Ce n'est pas grave, mon poussin. J'ai apporté l'aspirateur. Et moi, la trompette. Je me souviens qu'on employait une autre manière douce pour endormir Georges. Oh, moi aussi. Nous l'emmenions faire un tour en voiture. Je vais tout de suite aller la faire démarrer. N'oubliez pas l'alarme! Papa Pig a déclenché la bruyante alarme de la maison. La bruyante alarme a réveillé tout le voisinage. Voilà Mademoiselle Rabbit dans son hélicoptère de secours. Que se passe-t-il? Rien de grave, j'espère. J'ai entendu l'alarme. Tout va bien, merci beaucoup. Je vous laisse alors à un de ces jours. Ah, vous voyez le résultat? Rien ne vaut un bon vacarme pour endormir bébé Alexandre. Il a l'air de dormir profondément maintenant. Tout ça grâce à mon papa qui a fait tout ce bruit. Félicitations, Papa Pig. Vous devriez dormir ici plus souvent.